Journaliste a posé question, il dit, est-ce que ce n'est pas absence d'État qui fait des Muscadet en Bajie comme ça? Commissaire Muscadet. Commissaire Muscadet. Et Muscadet, c'est un acteur dans la chaîne pénale là. Ils sont autorités dans la chaîne pénale là. Ils sont commissaire gouvernement, quand on dit commissaire Muscadet. Oui, ils sont commissaire gouvernement dans la juridiction et NIP. Il a mis à voir. Alors, un commissaire gouvernement, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a une pile autorité dans la chaîne pénale là. Il y a un pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuit. Ça, il doit gagner. Ça veut dire il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale là. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'absence de l'État parce qu'ils sont autorités de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, je dis en Haïti, où gagner 18 juridictions justice. Et où gagner 10 départements. Et lorsqu'il y a des problèmes pour gagner, je dis à nous, il y a des gangsterisations du pays. Eh bien, et banalisation de la vie monde, bon, banalisation de la vie monde dans tout le pays, mais gangsterisation, hein, c'est tout d'abord zone métropolitaine qui est gagnée, occupée par, qui se passe 90% et après ça, on partit dans la Tibonite. Après ça, dans l'autre département, côté prend NIP, côté, bon, on quitte NIP, côté prend plateau central, nord-est, nord, nord-ouest, et grand-est, sud, sud-est, il y a un commissaire gouvernement là-dedans et il y a une sécurité dans la zone. Ça veut dire, il y a un commissaire gouvernement et tant que Muscadet, s'il voulait appliquer la loi et s'il voulait combattre gang, il a monté, il a pris la loi comme vous savez, il a monté une task force comme chef ou suite dans la juridiction, il a pris un paquet, ça veut dire qu'il même avec le commissaire gouvernement, juge de paix. Juge avec la police. Et puis, zéro tolérance pour gang. Là, il y a plus de résultats dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous disons que c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandit aujourd'hui, pour nous-mêmes, placions, c'est prison ou cimetière. Vous faites trop. C'est des terroristes qui vous nous pas d'accord pour que les gens qui négocient avec vous. Et vous faites trop et l'eau coulée dans les yeux. Nous-mêmes journalistes qui sont victimes, population, la police, ils font un paquet d'actes dans la société, mais nous ne sommes pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale. Là, qui un commissaire gouvernement ou gagne pour neutraliser, pour poser mon question, ou torturer lui, et vous dire que vous avez un dernier mot pour dire et en vont mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je viens avec un exemple. Le fond des nègres, il est sous juridiction Muscadet. Famille, il a pris, sorti dans une section rurale qui est le baron qui est sous fond des nègres. Il a pris un pilote dans fond des nègres, le baron. Il a gagné et noté qu'il a travaillé pour lui. Il y a un pile business dans le marché fond des nègres là. Et bien dans le marché fond des nègres là, businessman dans fond des nègres, yo bay Muscadet comme et régulièrement pour faire travail. Il va révoler avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale pour faire travail. Mais businessman qui travaille pour Tilapi, yo bay Muscadet comme régulièrement. Ça veut dire que Muscadet dans le marché l'argent kidnapping, dans le marché l'argent bandit. Non, manger l'argent gang. Et pour qui ça n'est pas engagé et aucune poursuite contre et Tilapli. Je ne vais pas dire pour le poursuivre maman Tilapli parce qu'elle fait Tilapli fait cahier pour maman et fond des nègres dans le baron, dans la section et rurale là. Mais quand même, il connaît tout le business qui est en bas. Il connaît tel qu'il est, il connaît le terre, il va jamais faire rien. Donc, Muscadet fait une lettre. Alors, tout d'abord,
Dans fin novembre 2023, et les Miskaden avec le commissaire gouvernement au Kaira, alors commissaire Miskaden, il faut me dire pour ne pas déranger et allié Miskaden, et yo te gon discussion sur les réseaux sociaux. Et pendant fond, et pour qui ça, c'est parce que Miskaden t'a fait un descente lié dans un hôtel qui n'a pas sali, qui passe sous juridiction. Et Richemont dénonce ça, commissaire Okaï, le commissaire Gwen Okaï, et Richemont dit c'est pour Bosley qu'elle a travaillé. Alors Bosley, ils sont trafiquants en droit qui mettaient Miskaden sous le journal comme commissaire gouvernement et dans Miragouane. Et tout de suite après, nous, le ministre de la Justice qui était là, c'est M. le prophète, il voyait deux lettres de blâme. Une pour Miskaden, commissaire Miskaden, une pour commissaire et Richemont. Et puis, nous faisons une lettre avec un ensemble de cas, de communautés 10, des mondes qui sont victimes, là-dedans, il y a un bandit, il y a un innocent. Nous disons, ministre, mais qui sa commission l'a fait en bas? Et on le déblâme pacifique, nous demander pour révoquer. Oui, nous camper des lettres que nous avons en décembre 2023. Alors, bien entendu, tout département ça a cité là, il a tout gagné base gang, sauf NIP. On a demandé de révoquer. Est-ce que vous ne pouvez pas demander de continuer à blâmer? L'on demande de révoquer là. Est-ce que ce n'est pas ça pas la cause? Ni gagner regain base gang encore tout département alors quelle décision c'est et vous connaissez sauf département qui c'est là non on pas croire que c'est seul ni qui département qui c'est lui Banyon c'est une pas une question qui a répondu et Kenya yo arrivé alors premier contingent est arrivé jour mardi 25 juin 2024. Il faut que je dise tout, vous arrivez, mais vous comparez pour vous venir. Vous venez, c'est parce que la Russie, après, prend tête du Conseil de sécurité et les États-Unis étaient voulu Kenya. Alors, les États-Unis avec les Nations Unies étaient voulu Kenya engagé en Haïti avant que la Russie prenne tête du Conseil de sécurité pour ne pas bloquer. Et au Capaboué, il y a là depuis le 25, et il y a fait Tiflané dans la zone d'Aba, il y a les Chanmas. Et, mais si vous pouvez répondre à une question directement, c'est la police nationale là qui prend contrôle et l'hôpital général, ce n'est pas Kenya. Moi-même, je pense que là depuis le 25 juin, et ça fait déjà deux semaines, et vous êtes doué pour nous-mêmes. Vous êtes doué commencer dans la RIA avec des unités spécialisées et dans la police là pour explorer. Et Zonio, et si on a une opération qui va faire, il va le faire devant. Mais nous ne pouvons avoir aucune action concrète, nous ne pouvons avoir présence. Et ça, ou un article Kenya, et son propagande. Mais j'en ai dit, et l'hôpital général, c'est la police nationale là, qui est venue, et est toujours sous contrôle, et PNH, contrairement avec sa table hier, et quand nous avons eu nous étonnons. Peut-être que, oui, je ne pas réponse dans la tête, mais peut-être que différents rapports de dénonciation RNDDH sous journalistes qui sont victimes, peut-être que ils n'ont pas passé dans la ZIO, mais rapport qui est dans la tête, moi, là, que pas si longtemps de ça que nous avons publié, c'est rapport qui sorti en avril 2024. Côté que nous t'ai parlé de toute violation de l'amour qui est enregistrée dans le pays de janvier à mars 2024, ce premier trimestre. Et non seulement dans le rapport, ça nous donne des détails, de circonstances. Et côté journalistes qui sont victimes, que c'était des journalistes qui étaient victimes dans des manifestations qui étaient faites au tout début de l'année, que c'était des journalistes qui étaient victimes dans des autres circonstances, que journalistes qui étaient victimes d'enlèvement tout. Et nous baillons tout détail ça dans le rapport. Ceci étant dit, il faut que nous quand même attirer l'attention de tous sur le fait que pour nous-mêmes dans RNDDH, parce que nous sommes sortis de cadre de conférence, de cadre là, pour nous-mêmes dans RNDDH, nous toujours considérons les journalistes comme très importants dans le cadre de travail que nous avons fait. D'ailleurs, il y a un pile rapport que
nous allons mener enquête, plus de dossiers que nous allons mener enquête sur eux, c'est parce que nous-mêmes journalistes, nous avons fait une alerte sur ça. Tu as des articles qui sont sortis, tu as des types de pêches qui sont sortis, qui peuvent faire que, ok, RMDA décide de saisir le dossier ça. Donc, en aucune façon, RMDA n'est pas capable de faire un gel sur violation de droits humains que nous-mêmes nous avons subi. Donc, j'aime dire, c'est peut-être une étape que, par exemple, dernier rapport, ça, il passe totalement inaperçu pour nous-mêmes au niveau de DNH. Et c'est peut-être et regrettable tout, que toute l'autre dénonciation que RNDDH qu'on a fait dans le cadre justement de violation de l'homme que les journalistes ont subi, il passe inaperçu pour nous, mais nous inscrivons en faux. Parce que justement, nous travaillons sur les journalistes qui sont victimes. Au relatif aux protections de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité, hein, il dit que si un agent impliqué dans la violation de l'homme, il y a passible seulement devant juridiction pays qui pouvoir elle là. Ça veut dire, si c'est un Kenyan qui est impliqué dans la violation de droit monde, il y a passible devant tribunal pays. Mais nous-mêmes, justement, nous dit que, lors même que l'Ipoil passible devant juridiction de répression pays, eh bien, que au moins victime yo capable de partir dans le procès. Depuis que, à partir du moment que vous êtes plainte, jusqu'à ce que vous arrivez à condamnation d'agent ça. Pour qui ça nous demande? C'est parce que, en réalité, c'est le même mécanisme ça qui était établi pour MINUSTA. Sauf que nous te rendons compte que le procès n'a pas de jamais arrivé jusque-là. Parce que depuis un agent MINUSTA était simplement impliqué dans la violation de droit monde, l'autorité était seulement contente. Alors, je veux dire, chef MINUSTA était seulement contente. Rapatrier, il était seulement voyé dans le pays et puis pas jamais entendu parler de dossier du tout. Journée aujourd'hui, justement, dans l'EPLA, là, nous déjà dit, nous cinq organisations, non seulement nous clérigions sur ça, nous mettons vigilance sur ça, mais en plus de ça, nous tient à ce que toute victime potentielle de violation de droit monde qui est capable de commettre par agent ministériel, que soit capable de participer dans tout processus là. Ça, c'est sous question violation de droit monde, ça, c'est sous question infraction, nous t'a dit, et pénale. Mais maintenant, même à quoi ça, tout l'y dit, lorsque agent MMAS là, impliqué, ou du moins, lorsque responsabilité civile agent MMAS là, mettait en cause, après, on pile monter, descendre, on pile protection, pile et nous t'a dit blocage. Là que finalement, au tribunal, ici, t'a vu que effectivement, responsabilité agent, responsabilité civile agent en cause, le sa mission a d'accord pour le réparer. Et c'est ça qui fait nous souligner que oui, nous d'accord lorsque responsabilité civile ont agent en cause pour mission réparer, mais lorsque justement agent ça a tout, li commet yon infraction à la loi pénale, faut que mission accepte que victime yo participe dans tout processus.